these people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Hubert offers his little car and himself for the trip around France. Colette agrees to be a fourth. Then Mireille invites another friend, the leftist Jean-Michel. After a lot of fast talking, she gets everyone to accept what promises to be a crowded and argumentative quintet. Hubert et Mireille à la terrasse d'un café. Enfin, ma petite Mireille, tu ne vas tout de même pas t'en aller toute seule sur les routes avec ce jeune Américain. Pourquoi pas? Mais au bout de deux jours, tu vas t'ennuyer à mourir. Mais pourquoi? Robert est un garçon intelligent et intéressant. Je ne vois pas pourquoi je m'ennuierais avec lui. Non, au contraire, voyager en France avec un étranger, lui faire découvrir ce qu'on aime, ce doit être passionnant. Et comment comptez-vous parcourir l'Hexagone? Avec une voiture que nous louerons. Nous passerons les nuits en plein champ, sous un arbre, au milieu des fleurs et des petits oiseaux. Ou alors dans un bon hôtel, quand on sentira le besoin de prendre une douche. Oh. Mais une location de voiture, ça va vous coûter les yeux de la tête, vous n'y pensez pas. Écoute, j'ai une idée. Je viens justement de m'acheter une Méhari. Un chameau? Non, pas un Méhari, une Méhari. Une voiture, pour l'été, ce sera parfait. C'est exactement ce qu'il vous faut. Je l'amène demain, tu verras. C'est gentil ça, mais je ne sais pas si nous devrions... Mais si, tu verras, c'est une petite voiture formidable, ça passe partout. On s'amusera comme des fous. Ah, parce que tu viendrais avec nous? Ben oui, bien sûr. Un peu plus tard, Mireille téléphone à Colette. Allô Colette? Tu viens à Paris cet après-midi? Il faut absolument que je te voie, c'est urgent. Bon, à 4 heures, à la Passion du Fruit. C'est quai de la Tournelle. Bon, je t'attendrai. Je te fais un bisou. Salut. Un peu plus tard, Colette et Mireille se retrouvent à la Passion du Fruit. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà. Mais d'abord, dis-moi, est-ce que tu as des projets fermes pour l'été? Ben non, pas vraiment. C'est épatant. Alors voilà, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Mais d'abord, je dois te dire que si tu peux accepter, tu me rends un sacré service. Mireille raconte alors à Colette l'histoire du verre blanc cassé, du billet de loterie, le projet de voyage avec Robert et l'intrusion d'Hubert. Tu imagines bien que je ne meurs pas d'envie de me retrouver seule entre Hubert et mon Américain. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout. Et on pourrait vraiment s'amuser. Quand partiriez-vous? Et ce serait pour combien de temps? On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait, disons, fin août. À moins qu'on en ait assez avant. Ça pourrait être amusant. De toute façon, je n'ai aucune envie de rester à Provins entre papa et maman. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Formidable, tu me sauves la vie. Et à 4, ce sera sûrement plus intéressant. Le dimanche suivant, Mireille va voir ses enfants. C'est un groupe de filles et de garçons dont elle s'est occupée l'été dernier comme monitrice dans une colonie de vacances. Il y avait là aussi comme moniteur Jean-Michel, un jeune homme très sympathique à tendance gauchiste que les enfants adoraient. À la fin de l'été, Mireille et Jean-Michel ont décidé de rester en contact avec le groupe et de les réunir tous les dimanches matins. C'est à cette réunion hebdomadaire que Mireille est allée aujourd'hui. Après la réunion... Il faut que je te dise, je crois pas que je puisse aller à la colo cet été. Je suis crevé, j'en peux plus. Il faut que je prenne de vraies vacances, tu vois? Je change un peu d'horizon. C'est vrai que t'as l'air fatigué. Mais est-ce que tu prends des vitamines? Non, docteur. Moi aussi, j'ai besoin de changer d'air. Justement, je voulais te dire, je ne pourrai plus venir après dimanche prochain. Et Mireille raconte à Jean-Michel ses projets pour l'été. Elle ne mentionne pas le verre blanc cassé, ni la loterie, mais elle parle du voyage projeté avec Robert, de l'intrusion d'Hubert et de l'appel à Colette. Et puis soudain... Mais j'y pense, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous? C'est ça qui te changerait les idées.
Non mais dis donc, tu te fous de moi ou quoi? Hein, tu me vois, moi, entre cet aristocrate dégénéré et ce sauvage américain? Qu'est-ce que j'irai foutre dans cette galère? D'abord, ce n'est pas une galère, c'est une Mary. Et Hubert n'est pas dégénéré du tout, je t'assure. Et mon américain n'a rien d'un sauvage. C'est un garçon très instruit, très cultivé. Tu pourras discuter avec lui, tu verras. Ce sera très intéressant pour tous les deux. Allez, viens avec nous. Ok. Enfin, on s'amusera comme des fous. Et Mireille finit par convaincre Jean-Michel. Maintenant, il s'agit d'expliquer à Robert qu'ils vont partir à 5 et à Hubert qu'il y aura 5 personnes dans sa petite Mary. Eh bien, tu sais, nos projets prennent forme. En fait, même tout est arrangé. J'ai un tas de bonnes nouvelles. D'abord, Hubert nous prête sa Mary. C'est gentil, ça. Mais je ne sais pas si nous devrions... Naturellement, il viendra avec nous. Ah. Je me disais aussi que je devais me méfier de ce chameau-là. Non, sérieusement, je ne crois pas que ça marche très bien à trois. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Alors j'ai invité Colette à venir et elle a accepté. Mince, on sera 4? Mais non, tu vas voir, on ne sera pas 4, on sera 5. Parce que j'ai aussi invité un garçon formidable, super sympa. Jean-Michel, il s'appelle. Je suis sûre qu'il te plaira. C'est un type très intéressant. Il est trotskiste ou guévariste ou quelque chose comme ça. Avec Hubert qui est plutôt à droite, ça va faire des étincelles. Ce sera très intéressant pour toi. Ça, je n'en doute pas. Mais j'aurais quand même préféré la solitude à deux. Là, voilà. Il est joli, n'est-ce pas? Mireille, Hubert et la Mary. Voilà le chameau des grandes randonnées d'été. Sobre, résistant, passe-partout. Tu veux l'essayer? Alors, j'ai parlé à Robert, c'est entendu, il accepte. Ah. Mais nous avons pensé que ça ne marcherait peut-être pas très bien à trois. Ouais. Aussi bien que j'ai demandé à Colette de nous accompagner, et elle a été assez gentille pour accepter. Mais la Mary n'est pas extensible. À quatre, on va être serrés comme des sardines. Mais allons, Hubert, je te connais. Malgré tes airs d'enfant de cœur, ça m'étonnerait que tu sois fâché d'être serré contre Colette. Serré pour serrer, ma chère Mireille, je préférerais que ce soit contre toi. Oh, et puis aussi, avant que j'oublie, j'ai vu mon copain hier. Tu sais, Jean-Michel, il avait l'air vachement déprimé. Si bien que je l'ai invité, lui aussi, à venir. Mais c'est un dangereux anarchiste, ce garçon-là. Lui, il n'est pas anarchiste du tout, il est marxiste. J'ai pensé qu'il ferait équilibre à tes opinions d'un autre âge. Mais où veux-tu mettre tout ce monde-là? La Mary n'a pas d'impérial, je te signale. Bon, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Plus on est de fous, plus on rit, comme dit ma tante Georgette. Qui, elle, ne rit pas beaucoup, la pauvre. Tu me laisses chez moi? Oui. Hubert pense que Mireille ne devrait pas partir seule avec Robert. Mais pourquoi pas? Mais au bout de 2 jours, tu vas t'ennuyer à mourir. Je ne vois pas pourquoi je m'ennuierais avec lui. C'est le verbe s'ennuyer, vous vous rappelez? Jean-Pierre s'ennuie. Il a l'air de s'ennuyer. Je m'ennuie. Elle s'ennuie. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire. Et là, il s'ennuie? Non, il s'amuse. Lui, il s'ennuie. Mais elle, elle s'amuse. Parce que je m'amuse. Je ne me suis jamais tant amusée. Eux aussi, ils s'amusent. Et eux, ils s'ennuient ou ils s'amusent? Ils s'amusent. Mireille ne va pas s'ennuyer. Non, au contraire, voyager avec un étranger, lui faire découvrir tout ce que l'on aime, ce doit être passionnant. Et comment comptez-vous parcourir l'Hexagone? L'Hexagone, c'est la France. Mireille et Robert vont voyager en France. Ils vont parcourir l'Hexagone. Quand on voyage, on peut passer la nuit dans un hôtel, sous la tente, ou même en plein champ, dehors. Voilà des champs. Un champ. Un champ. Un champ, un champ.
Et eux, ils courent à travers champs. Nous passerons les nuits en plein champ, sous un arbre, au milieu des fleurs et des petits oiseaux. Ou alors dans un bon hôtel, quand on sentira le besoin de prendre une douche. Regardez Robert et Mireille, là. Ils ont chaud, ils sont sales. Ils sentent le besoin de prendre une douche. C'est le verbe « sentir ». Regardez Mireille, ici. Elle est fatiguée. Elle sent le besoin de se reposer. Ici, il fait froid, mais elle ne sent pas le froid. Mais ici, elle sent le froid. Pour partir, Robert et Mireille vont louer une voiture. Mais Hubert trouve que ce n'est pas une bonne idée, parce que ça va leur coûter les yeux de la tête. Mais une location de voiture, ça va vous coûter les yeux de la tête? Ça va coûter cher, horriblement cher, les yeux de la tête. Une Alpine Renault, vous croyez que c'est cher? Sûrement très cher. Ça coûte les yeux de la tête. Hubert a une meilleure idée. Écoute, j'ai une idée. Une idée, vous vous rappelez? J'ai une idée. Jouons au portrait. Oui, c'est une idée. C'est une bonne idée. Oui, c'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. Newton a une idée. Moi aussi j'avais des idées plutôt bizarres. Qu'est-ce que tu lis? Lacan. Quelle idée? Hubert vient d'acheter une vieille méhari. Un méhari, c'est une sorte de chameau. Une méhari, c'est une petite voiture. Tu verras, c'est une petite voiture formidable. Ça passe partout. Voilà une petite voiture qui passe partout. Le chameau est un animal sobre. Il ne boit pas beaucoup. Il peut parcourir des dizaines de kilomètres sans boire. Le poète Guillaume Apollinaire disait « Le chameau voyage sans boire, moi je bois sans voyager ». Le chameau est sobre. Apollinaire était moins sobre. La méhari est sobre. Elle ne consomme pas beaucoup d'essence. La Renault 5 aussi est sobre. En plus, elle est sobre. Pas comme mon frère Gaston. Oh. Mireille rencontre Colette à la Passion du Fruit, un bar à jus de fruits sur les quais. Mireille demande à Colette ce qu'elle a l'intention de faire cet été. Est-ce que tu as des projets fermes pour cet été? Des projets fermes, définitifs, qu'on ne peut pas modifier. Une pomme, c'est ferme. Mais ça, c'est moins ferme. Ça peut changer de forme. On peut le changer, le modifier. Mireille raconte l'histoire du billet de loterie, le projet de voyage avec Robert et l'intrusion d'Hubert. Hubert est un intrus. Personne ne l'a invité. Jean-Pierre aussi est un intrus. Mireille propose à Colette de venir parce qu'elle n'a pas envie de se trouver seule entre Hubert et Robert. Tu imagines bien que je ne meurs pas d'envie de me retrouver seule entre Hubert et mon Américain. Si Colette accepte, ça rendra service à Mireille. Mireille aime bien qu'on lui rende service. Tu peux me donner cette feuille, là? Marie-Laure lui rend service. Tu peux me prêter 50 francs? Tu me les rendras? Mais bien sûr que je te les rendrai. Quand elle lui prête de l'argent, elle lui rend service. Ils ont l'intention de partir dans une quinzaine de jours. Une semaine, 8 jours. Une huitaine de jours. 2 semaines, 15 jours. Une quinzaine de jours. On partirait dans une quinzaine de jours. Et on reviendrait, disons, fin août. Ou avant, si on en a assez. Là, ils en ont assez. Lui aussi, il en a assez. Ça pourrait être amusant. De toute façon, je n'ai aucune envie de rester à Provins entre papa et maman. Écoutez la conversation entre Mireille et Colette, puis vous prendrez le rôle de Colette. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout et on pourrait vraiment s'amuser. Et quand partiriez-vous? Et ce serait pour combien de temps? On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait, disons, fin août, à moins qu'on en ait assez avant. Ça pourrait être amusant. Écoute, oui, en principe, j'accepte. À vous maintenant, vous êtes Colette. Si tu pouvais venir avec nous, ça arrangerait tout et on pourrait vraiment s'amuser. Quand partiriez-vous? Et ça serait pour combien de temps? Quand partiriez-vous? Et ça serait pour combien de temps? Quand partiriez-vous?
Et ça serait pour combien de temps? On partirait dans une quinzaine de jours et on reviendrait fin août. Ou avant, si on en a assez. Ça pourrait être amusant. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Ça pourrait être amusant. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Ça pourrait être amusant. Écoute, oui, en principe, j'accepte. Mireille est contente que Colette accepte. Formidable, tu me sauves la vie. Tu me sauves la vie? Elle exagère. Lui, oui, il lui sauve la vie. Laissez-moi mourir, laissez-moi mourir. Oh, ben c'est une idée fixe, hein. Ils lui ont sauvé la vie. Vous avez sauvé mon neveu. Oh oui, vous avez sauvé notre neveu. Attachez votre ceinture, elle peut vous sauver la vie. Le dimanche suivant, Mireille va voir ses enfants. Ce sont des enfants qui étaient dans une colonie de vacances l'été dernier. Mireille était monitrice dans cette colonie de vacances. Elle s'occupait de ses enfants. Il y avait aussi un moniteur très sympathique, Jean-Michel. Jean-Michel et Mireille continuent à s'occuper de ses enfants. Ils les réunissent tous les dimanches. Ils font une réunion. Voilà une réunion d'ouvriers. Les ouvriers se réunissent pour discuter. C'est toi qui as voulu qu'on se réunisse, c'est pas moi, c'est ton affaire. Tu croyais peut-être qu'on allait faire le travail à votre place? C'est pour ça que vous avez fait la réunion? Voilà, moi je suis bien content que nous soyons tous réunis. Jean-Michel est très fatigué. Il n'en peut plus. Il est crevé. Je suis crevé, j'en peux plus. Ouf! Je n'en peux plus. Je suis crevé. Elle est crevée. Elle n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est crevé. Ah, je suis crevé, moi. Je vais aller me coucher. Jean-Michel a besoin de changer d'horizon. Il faut que je prenne de vraies vacances, tu vois? Je change un peu d'horizon. Mireille aussi a besoin de changer d'air. Moi aussi, j'ai besoin de changer d'air. Pouf, on étouffe ici. J'ai besoin de changer d'air. Ça fait du bien de changer d'air. Marie-Laure va changer de vêtements. Oh, je veux mettre ma robe rose. Je peux? Bon, si tu tiens. Maintenant, elle va changer de t-shirt. Allez, va changer de t-shirt. Et elle? Elle a changé de robe. Les gens aiment le changement. T'as changé d'autre couleur? Ouais. Tu veux pas changer de disque? Pourquoi il ne te plaît pas celui-là? Et lui, il change de vitesse. Jean-Michel a besoin de changer d'air parce qu'il est déprimé, fatigué. Il avait l'air vachement déprimé. Elle est déprimée. L'automne, l'hiver, c'est déprimant. Montréal, début novembre. Il pleut, il neige, il fait froid. Il avait l'air vachement déprimé. Il est vachement déprimé. Ce problème, je n'y comprends rien. C'est vachement dur. C'est bien? Ouais, c'est vachement bien. Elle est vachement bonne. Bah écoutez, on a un rendez-vous vachement important, hein. Mais soyez pas triste. C'est vachement bien quand on divorce. Parce que vous avez deux maisons, deux anniversaires, deux Noël, deux vacances. C'est vachement bien quand on divorce. Mireille propose à Jean-Michel de venir avec eux. Mais j'y pense, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous? C'est ça qui te changerait les idées. Non mais tu te fous de moi? Il n'est pas très poli ce Jean-Michel. Il veut dire, tu te moques de moi. Tu me vois, moi, entre cet aristocrate dégénéré et sauvage américain? Qu'est-ce que j'irai faire dans cette galère? Une galère, c'est un bateau où il faut ramer dur. Personne ne veut aller dans une galère. Mireille défend Robert. C'est un garçon très instruit, très cultivé. Il est très cultivé. Heidegger, Freud,
Lévi-Strauss, Picasso, Lacan, les Ming, Sartre, Mishima. Sylvestre, vous êtes un homme très intelligent. Peut-être pas très cultivé, mais vous êtes très intelligent, je suis sûr. Mireille finit par convaincre Jean-Michel. Elle le convainc. Viens. Non. Mais si. Non. Allez, viens. Bon. Ah. Maintenant, Mireille explique la situation à Robert. Eh bien, tu sais, nos projets prennent forme. Ça, c'est encore vague, mais ça prend forme. Ça prend forme. Le verre prend forme. La voiture prend forme. D'abord, Hubert nous prête sa Méharie. Ah. Naturellement, il viendra avec nous. Je me disais que je devais me méfier de ce chameau-là. Vous avez compris ? Robert fait un jeu de mots. Chameau, Méharie. Chameau, Méharie. Il se méfiait de la Méharie d'Hubert, ce vieux chameau. Ah, il a l'esprit vif, ce garçon. Robert n'est pas content. Mince, on sera quatre ? Mais Mireille le rassure. Ce sera très intéressant. Surtout parce que Jean-Michel est un peu gauchiste. Il est trotskiste ou guévariste, ne sait pas très bien. Et Hubert est plutôt à droite. Alors, ça va faire des étincelles. Des étincelles. Voilà, des étincelles. Des étincelles. Ce sera très intéressant pour toi. Ça, je n'en doute pas. Oh, je n'en doute pas. J'en suis sûr. Mais j'aurais quand même préféré la solitude à deux. Ah, la solitude à deux. Hubert non plus n'est pas content. Cinq personnes, c'est trop. Mais la Méharie n'est pas extensible. Cette table est extensible. Mais la Méharie n'est pas extensible. La Méharie n'a pas d'impériale, je te signale. Il y a des autobus qui ont une impériale. Mais la Méharie n'a pas d'impériale. Je te signale. Il est 1h15, je te signale. La Méharie n'est pas extensible. À quatre, on va être serrés comme des sardines. Mais allons, Hubert, je te connais. Malgré tes airs d'enfant de cœur, ça m'étonnerait que tu sois fâché d'être serré contre Colette. Hubert a des airs d'enfant de cœur. Il a l'air innocent, prude, comme un enfant de cœur. Voilà un enfant de cœur. Un enfant de cœur. Mais il ne serait pas fâché d'être serré contre Colette. Qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas ? Tu es fâchée ? Oui, je suis fâchée. Mireille est allée au cinéma et elle n'a pas voulu m'emmener. Lui aussi, il est fâché. Allez, foutez-moi le camp ! Maman ! Tais-toi et dors. Je suis très fâchée. Ah mais tu peux pas faire attention, non, sale gamine ! Elle est fâchée. Mais lui, il n'est pas fâché. Bon, on sera peut-être un peu à l'étroit, mais ça ne fait rien. Plus on est fou, plus on rit, comme dit ma tante Georgette. Elle qui ne rit jamais, d'ailleurs. On s'amusera comme des fous. Okay. Enfin, qu'on s'amusera comme des fous. Ils s'amusent comme des fous. Elle s'amuse comme des folles. Elles sont complètement folles, celles-là. Maintenant, voyons ce que vous savez. Écoutez, regardez, réfléchissez et parlez. Regardez ces gens. Est-ce qu'ils s'ennuient à mourir ou est-ce qu'ils s'amusent comme des fous ? Ils s'amusent comme des fous. Oui, ils s'amusent comme des fous. Qu'est-ce que c'est ? Une galère ou une Méharie ? Une Méharie. Une Méharie. Une Alpine, vous pensez que c'est bon marché ou que ça coûte les yeux de la tête ? Ça coûte les yeux de la tête. Oui, ça coûte les yeux de la tête. Que fait Marie-Laure ici ? Elle change de t-shirt. Elle change de t-shirt, très bien. Où est-ce qu'il passe la nuit ici ? Dans un bon hôtel ou en plein champ ?
En plein champ. Très bien, en plein champ. Qu'est-ce que c'est? Un champ ou une colonie de vacances? Une colonie de vacances. Une colonie de vacances. Regardez votre camarade. Est-ce qu'il est en forme ou est-ce qu'il a l'air crevé? Il a l'air crevé. Oh oui, j'en peux plus. Il a l'air crevé. Et Jean-Michel, là, est-ce qu'il a l'air content ou déprimé? Déprimé. Déprimé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Guignol? Ça ne va pas? Vous avez l'air déprimé. Je suis fatigué, je suis crevé, je n'en peux plus, j'en ai assez. Je m'ennuie à mourir. Mon ami Robert et moi, nous allons faire le tour de France en voiture. Venez avec nous, monsieur Guignol. Ça vous changera les idées. Qu'est-ce que j'irai faire sur les routes avec deux jeunes fous? Non, je vais faire une petite sieste. Mais monsieur Guignol, venez! On s'amusera comme des fous! Allez, venez avec nous! Plus on est de fous, plus on rit! Ouais, j'aime mieux dormir! Bon voyage, allez, bon voyage! Annenberg Media. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat Général à la Langue Française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. For information about this and other Annenberg Media programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.